Yo les gars, c'est Sucre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. Aujourd'hui les amis, on va parler cash play, on va parler des packs, on va parler de ce qui est rentable ou pas, entre guillemets bien évidemment, puisque bah, les périodes de Noël arrivent, les gros personnages vont arriver aussi, donc beaucoup d'entre vous vont vouloir acheter certains packs dans le jeu. Chose que je te conseille d'éviter un maximum si tu ne le peux pas. Si tu peux, bah, tu fais ce que tu veux, hein. Personne n'est derrière toi pour t'empêcher, de toute façon vous êtes des grands garçons. Mais faites quand même attention. Parce que contrairement à nous on peut récupérer une partie, des fois peut-être pas tout, des fois oui, des fois un petit bonus, de l'argent qu'on investit, puis surtout on en a besoin pour tout simplement pouvoir faire des vidéos, sinon c'est un peu compliqué. Quant à vous, vous n'en êtes pas du tout obligé, donc vous pouvez vous passer de ça, sauf si bien évidemment, comme je viens de te le dire, t'as envie de te faire un petit plaisir, t'as des sous de côté, ou t'as des sous tout court, ou voilà, t'as reçu un petit 20 balles de la marraine pour Noël, et que t'as envie d'avoir un perso, ou t'as envie d'acheter un truc en particulier. Ça peut se comprendre, mais juste faites attention. Et donc du coup, je fais cette vidéo pour éviter que vous puissiez acheter des packs qui sont pas incroyables, sachant que il y en a quand même quelques-uns qui sont plutôt, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, rentables de prendre si vous souhaitez cash play sur le jeu. Et on va parler de ça dans cette vidéo. Avant tout ça, bien sûr, je compte sur toi pour le pouce bleu sur la vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne si t'es pas encore abonné. Et puis, à me faire tes petits commentaires, tout simplement, hein, si j'ai des packs que j'ai omis de parler, ou des choses qui te semblent plus rentables que d'autres, n'hésite pas à le partager, ça pourra aider ceux qui souhaitent payer un petit peu dans le jeu, ou pas, dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà. Sur ce, les amis, on est parti. Alors, juste avant, je vais faire mon petit truc, c'est que je vais aller faire mon expédition. Ouais, j'aurais pu le faire avant la vidéo, là, je suis en train de farmer les talents, là. Je farme les talents pour finir mes missions des vœux du mage. C'est un peu pénible, mais enfin, on s'en sort. Je vais faire le 8, prêt. Il me reste pas grand-chose. Normalement, j'aurai bientôt. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai terminé les vœux du mage, et donc j'aurai récupéré mon doublon universel, que je vais mettre de côté pour soit Noël, soit Julius. On verra comment s'orientent mes poules. Donc, comme ça, c'est fait. Ça, au moins, je sais que maintenant, après, j'aurai plus qu'à farmer, entre guillemets, focus sur le stuff. Ouais, focus sur le stuff, je pense, par la suite. Ça peut être intéressant. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? Je vais faire expédition. Paf, je vais envoyer 600 combats. Voilà. Ouais, on va envoyer x50. Allez, on est parti. On en a pour combien de temps? On va pour 1h39. Ok. Bon, du coup, les amis, on va aller dans la boutique. Et dans la boutique, il faut savoir qu'ici, moi, j'ai un onglet qui a disparu. Je sais pas s'il est encore disponible, d'ailleurs, parce qu'il y avait quelques jours de dispo. Je crois que c'est 9 ou 10 jours. Peut-être qu'il n'y est plus. Mais vu que moi, je les ai achetés, ils ont disparu assez rapidement chez moi. Donc je sais pas s'ils sont encore disponibles. Si c'est le cas, normalement ça s'appelle pack nouvel utilisateur. Normalement. C'est pareil, il y a 1, 2, 3 ou 4 slots. Et sur ces slots, tu peux acheter bien sûr à différents prix, du plus bas au plus haut à chaque fois. Ok. Et tu as des choses vraiment très très rentables, des cristaux, des tickets d'invocation, des boîtes LR. Bref, tout un tas de choses plutôt intéressantes. Donc déjà, si vous souhaitez cash, ces packs-là, nouvel utilisateur, s'ils sont encore disponibles, je dis bien ainsi parce que là, comme tu peux le voir, par exemple, ceux-là, commémoratif, il reste 4 jours. Donc pour les packs nouvel utilisateur, c'était pareil, il y avait un timer. Peut-être qu'ils seront plus disponibles dans vos packs. En tout cas, moi ça y était. Donc ceux-là sont vraiment rentables. Donc si vous les avez, vous pouvez aller les checker. Et si vous souhaitez cash play, c'est des packs qui sont vraiment, vraiment intéressants. Ok. Pack commémoratif de lancement. Bon, là, on est sur des packs qui donnent des cristaux noirs payants, des gold et des billets d'invocation. Alors, c'est pas les plus rentables de l'histoire, mais ils sont pas dégueulasses. Ils sont pas dégueulasses. Évidemment, celui à 80 balles où tu as 10 multi et des gold, en termes de ratio, est quand même pas dégueulasse. Ok. Mais ça reste 80 balles, c'est ultra cher. Donc, faut y aller quand même. Mais il reste pas dégueulasse. C'est pas le meilleur pack du jeu, mais il est pas dégueulasse. À 43 euros, on a quelque chose d'un peu plus sympathique avec 35 billets d'invocation et 750 cristaux noirs. Cristaux noirs payants qui vont te permettre d'acheter des trucs plutôt sympathiques, notamment à 800, d'ailleurs ils sont malins, hein. C'est 750 cristaux noirs payants, et on va aller voir un peu après, c'est ici je crois, voilà, le truc le plus intéressant ici, il coûte 800, il manque 50, ils sont malins, hein. Ils ont fait exprès, hein. Ils ont fait exprès bien sûr, ne crois pas, donc ouais, allez, on va dire que ceux-là, ils sont ok tiers, c'est pas les meilleurs, mais ils sont ok tiers. Pack réussite de l'histoire, je l'ai pas pris. Il est pas mauvais en soi, mais 21 euros pour 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 2 multi.
2 multi 20 balles, plus des gold, de l'XP, des boîtes cadeaux, d'amitié, des bah, 10 skill up. Ouais. Ouais, c'est pas dégueu en vrai. En vrai, ça va, ça va, ça va. Et tu récupères quand même 1200 cristaux noirs. Payant. On a vu que tout à l'heure, il y avait un pack à 800 qui est extrêmement worse. On en reparlera après. Mais ouais, c'est pas si mal. En vrai, il est cool. Non, il est bien. Non, il est bien. Non, j'ai été médisant, il est bien. Il est bien, je l'ai pas pris. Mais c'est un bon petit pack. C'est un bon petit pack. Pack d'événements. Bon, ceux-là, ils sont incroyables. Ceux-là, ils sont incroyables. 25 balles x 3 et 5 balles une fois. Ça te permet de faire des tours de plateau pour les dés. Parce que tu récupères 50 dés spéciaux. Et tu récupères aussi des billets d'invocation et des billets d'invocation de mage SR et SSR. Bon, ça, limite, on s'en fout. Mais c'est surtout que tu récupères 50 dés spéciaux. Et donc, tu peux faire énormément de fois le tour du plateau pour les dés. Et tu gagnes énormément de stamina. Donc, ça a une value parce que bah, plus tu as stamina, plus tu peux farmer. Plus tu peux farmer, plus tu peux monter ton compte. C'est forcément incroyable. Après, ça te permet juste de gagner du temps, hein. Comme beaucoup de packs dans le jeu, ça te permet juste de gagner du temps, parce que là, tu vas gagner énormément de stam, donc tu vas gagner énormément de temps sur ceux qui n'ont pas eu la stam que toi, tu vas réussir à acquérir grâce au tour que tu vas faire avec tes dés. Donc, c'est très bien si vraiment t'es un bon cash player. Si t'es un petit cash player, je pense pas, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Mais ça te permet juste de gagner du temps. Mais ils sont très bien, ils sont vraiment très bien. D'ailleurs... On hésite à les prendre ici. On hésite à les prendre ici. Pack de cristaux spéciaux. Donc là, c'est des cristaux noirs payants et des cristaux tout court. Non. On va skipper pour l'instant ces packs de cristaux là. Je pense pas que ce soit les plus intéressants à prendre maintenant. Quand bien même, tu récupères quand même 2600 cristaux noirs payants et qu'il y a une bonne boutique de packs de cristaux noirs payants. On a vu qu'on avait des cristaux noirs qui étaient un petit peu répandus un peu partout dans d'autres packs dont on a parlé. Hein, ici, t'en as 1002, mais t'as pas que des cristaux noirs payants. T'as tout un tas d'autres trucs sympathiques à côté. Là, ici, t'as des multi-invocations plus des cristaux noirs payants. Donc, à la limite, si tu veux des cristaux noirs payants, je conseille plutôt de prendre des packs où il y a autre chose dans un premier temps. Et cela, vraiment, c'est pour ceux qui vont vraiment, vraiment, vraiment cash play. Hein. Ils sont pas dégueulasses non plus. Hein. C'est des packs qui sont, on va dire, à des prix OK. On parle bien sûr de personnes qui peuvent acheter, hein, les amis. Hein. Attention. Hein. Mais c'est un peu cher quand même. C'est un peu cher quand même. Les packs standards ici, honnêtement, j'ai pas trop checké ici. Je suis pas trop fan de ce que j'ai vu. 110 balles pour 1000 cristaux noirs et 80 billets d'invocation. Tandis que tout à l'heure, on a vu un pack pour 79 euros. On a l'équivalent de 10 multi, donc on a 2 multi de plus qu'ici. Et en plus de ça, on a des golds. Alors là, il y a 1000 cristaux noirs en plus, mais je pense que ça vaut pas du tout le coup. Donc ça, ces packs-là, pour moi, là, ils sont tous claqués au sous-sol. Vraiment, je les trouve vraiment pourris. Peut-être le pack hebdo, même pas. Pff, franchement, pour des trucs, non. Bon, c'est naze. Pack standard, c'est naze. Pack de cristaux payants, du coup, on a vu que il y avait des choses intéressantes. Et la plus intéressante ici, à mon avis, c'est... Enfin, le plus intéressant, c'est le pack de Omar. Et c'est d'aller récupérer... mince, où je fais comment pour... Ah oui, c'est comme ça. Attends. Voilà, source, là, petit truc. Le plus intéressant, c'est d'aller récupérer les écrevisses qui te donnent un taux de drop de 30% supplémentaire pour obtenir des équipements. Et notamment quand on va farmer les équipements LR, c'est très 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 fort. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est cool. Si t'as des cristaux noirs, ça coûte 800. Cristaux noirs payants, bien sûr. J'en ai 425, moi, par exemple, tu vois. Eh bien, tu peux aller chercher ça. C'est vraiment très rentable. Puis tu récupères 500 stam aussi. C'est toujours ça en plus. Donc ce pack-là est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Le pack de talents aussi. Voilà, pour monter les talents de tes personnages. Ça coûte cher dans la vraie vie. Et ça coûte cher en jeu aussi. Pour pouvoir le monter. Donc ça va te faire gagner un temps de fou furieux. Après, voilà, tu pourras le combler en farmant. Donc est-ce que c'est nécessaire à 100%? Non. Alors que les homards, 30% de taux de drop supplémentaire pour looter des équipements. Là, pour le coup, c'est toi et ta chance. Donc... augmenter ta chance de 30%, c'est quand même très très fort. Alors qu'ici, bon bah, tu vas pouvoir compenser par le farm. Tu auras la même chose au bout de peut-être un mois de plus que ceux qui auront acheté ces packs-là, forcément. Mais tu l'auras au fur et à mesure. Donc à la limite. Par contre, ouais, pour dropper, bah, tu peux farmer pendant 2 semaines si t'as pas de chance sur les loots de tes stuff LR. Bon bah, c'est pas de la stam jetée en l'air, mais presque, tu vois. Alors qu'ici, ça te permet quand même d'avoir un peu plus de luck et du coup de rentabiliser. Donc je dirais que le meilleur pack, il est ici largement.
si tu veux vraiment accélérer ton aventure, t'as le pack talent, et puis bon, le reste, c'est pas nécessaire. Là, 800 pour à peine ça, en termes de skill up, c'est très faible, je trouve. L'XP, j'en parle même pas. Ah, quoi, 200. Quand même beaucoup. Mais 600 cristaux noirs, on va tranquillement aller farmer dans le bois, hein, je pense que c'est mieux. Et la stamina, je pense que c'est dégueulasse, le ratio. Hein. 300 stam pour 120 de cristaux noirs payants. 300 stam, tu fais pas grand-chose, donc honnêtement, c'est pas incroyable. Après, c'est à prendre tous les jours, les achats quotidiens. Donc ça, c'est pour vraiment les énormes cash players. C'est pas pour nous, en général. Peut-être pour certains d'entre vous, mais voilà, c'est pas vraiment foufou. C'est déjà tout, hein, abonnement mensuel. Si l'abonnement mensuel, je l'ai pris, il est vraiment cool, il te donne des liens récupérés plus 15% pour monter l'amitié de tes personnages, ça fait gagner un temps fou, et tu gagnes 400 cristaux noirs payants aussi, et des cristaux noirs tous les jours, et des tickets skip, ça coûte 10 balles, donc c'est pas très cher, donc vraiment c'est pas mal du tout, à 10 balles, petit achat, tu peux te le permettre, tout comme le pass de combat, je l'ai pas dit, mais je l'ai fini, le pass de combat est extrêmement rentable, donc vous pouvez y aller aussi les yeux fermés pour ceux qui souhaitent payer. Ici, vous oubliez, hein, c'est du caca. Bon, moi j'ai pris un pack à 8 balles, non, à 10 balles la dernière fois. Là, je me suis fait carotte, j'ai reçu que 425 cristaux noirs, alors que normalement, le premier achat, tu récupères le double. J'ai jamais récupéré le double, que j'ai un peu le seum. Mais ça, jamais, touchez jamais ça avec un bâton, hein. même pas en rêve, c'est vraiment 0 sur 20. Je crois qu'on a fait le tour, hein, les amis, sur les packs, sur ce qui est intéressant, pas intéressant. Donc, il y a quelques endroits où tu as des choses vraiment cool, d'autres endroits qu'il faut assez vite skip. Et puis après, c'est en fonction bien évidemment de ta bourse. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour concernant les packs intéressants et la boutique qu'on a à disposition pour le moment. Bien sûr, peut-être que d'ici une semaine ou deux, vu que c'est Noël, on aura des nouveaux packs intéressants, des packs spéciaux, events de Noël, etc., tu connais. Mais là, pour l'instant, on fait avec ce qui est marqué dans la boutique. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour encore une fois. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura permis pour certains, ceux qui souhaitent cash, de vous aiguiller un petit peu sur des packs que vous voulez prendre, que vous allez prendre plus tard peut-être. Pour les autres, bah, tant mieux, gardez votre argent, il est mieux dans votre poche que dans la leur. Et puis bah, nous, on vous fait de gros bisous. Je sais pas pourquoi je dis on vous fait alors que je suis tout seul. Mais c'est pas grave. Des bisous les amis, peace, kiss, love, peace, ciao.